La vie associative est un élément fondamental parce qu'elle est le lieu de l'apprentissage, de l'engagement, de la responsabilité. Quand on arrive à l'ISSEG en tant qu'élève, en première année, on peut rentrer dans les associations directement. Si on veut faire du sport, de la musique, ou découvrir le vin, faire de l'humanitaire, des choses comme ça, c'est possible. Il y a une quinzaine d'associations qui existent et qui vont être reprises d'année en année par les étudiants. Donc le BDS, c'est le bureau des sports de l'ISSEG. Cette année, on a proposé football, rugby et basket, donc les trois équipes présente sur les championnats départementaux et régionaux universitaires. Première année, donc, j'ai fait partie de l'association ISSEG Drivers, que j'ai repris comme président deuxième année. L'EP, c'est une association qui s'occupe de la promotion de l'école, donc on s'occupe de tous les salons et toutes les portes ouvertes. On essaie d'organiser tout ce qui est hors cours, en fait, toute la vie extérieure au cours de l'école. Il y a le week-end d'intégration au début d'année qui a permis de rassembler les gens et de se connaître les uns et les autres. Toutes les associations sont présentes, elles font vivre les élèves, c'est eux qui font tous les divertissements, toutes les activités, c'est quand même géré par les associations, quoi. C'est un élément, je dirais, entre guillemets, pédagogique, qui permet de développer leur personnalité et qui permet de les faire grandir. Aujourd'hui, quand on se présente dans une entreprise, qu'on montre son CV et qu'on montre qu'on s'est engagé dans une association, ça prouve qu'on est capable de gérer pas que la fête, mais aussi de gérer les choses qui vont avec. On a su gérer une équipe, on a su définir des objectifs et les respecter jusqu'au bout. C'est une ouverture formidable à un certain nombre de qualités qui vont ensuite permettre d'être valorisés dans la vie professionnelle.